C'est l'heure de vous présenter le prochain drop Maison Dorée qui arrive dans 2 jours. Oui, je fais ça à la dernière minute, mais vous allez adorer les collections. Petite pause sur le pull parce que je sais que vous allez me demander d'où il vient. Il est absolument sublime. Sort de l'emballage, donc il est un peu froissé, mais il vient de Bâche et il est trop beau. Donc pour ce prochain drop, j'ai toujours voulu rester dans un mood un peu glamour, toujours un peu vintage avec ce type de boucle d'oreille assez volumineuse, mais qu'on voit bien vraiment, elles sont trop bien. Pour le coup, celles-ci, elles sont assez lourdes, elles sont assez cossues. Le modèle doré juste là, les argents, et je vous les montre également pas portées pour que vous puissiez mieux comprendre. En fait, la perle est plate, la tige est en haut, et ici, c'est creux. Les fans de piercing, vous allez adorer ce drop, il y en a plein. Second modèle très glam, parfaite pour sortir. Je voulais vraiment qu'elle soit longue et qu'elle soit pendante comme ça. Le strass du haut est plus petit, ensuite ça s'agrandit et ça redescend de façon à créer un détail assez scintillant, plus épais à ce niveau-là. Avec un beau décolleté ou même un joli col roulé, ça peut être trop beau pour sortir. J'ai également fait les baby, donc elles ont le même système avec les petits strass en haut et ensuite dégradé pour avoir le plus gros strass au centre. Je vais les mettre au second lobe, comme ça vous voyez bien la différence de taille. Elles sont trop belles toutes les deux, je trouve que porter ensemble ça fait vraiment une oreille assez chic. Pour mes low-key girlies qui aiment les choses beaucoup plus discrètes, je me suis dit que j'allais faire des puces. Parce que c'est quand même très très joli pour les fêtes et que c'est super discret. Mais quand même, ça fait son effet puisqu'il y a la perle au centre, sertie avec tous les strass sur l'extérieur. La tige sur ce modèle-là est au milieu de façon à ce que ça fasse vraiment une puce sur l'oreille. J'adore, c'est qu'elles sont assez discrètes, mais qu'elles font quand même leur effet parce qu'elles scintillent et qu'on les voit bien. Ensuite, nous avons 2 tailles de créoles. Donc les mini créoles, elles sont toutes assez... Je pense que ça va être un best-seller parce qu'elles sont ultra agréables à porter. En fait, elles sont assez légères. Et du coup on les sent pas du tout. J'adore les porter en paire. Et le truc c'est que je voulais le combo parfait entre des créoles et celle-ci. Donc je me suis dit que une forme ovale ça changerait et ça apporterait un petit peu d'originalité. Donc vous voyez elles sont vraiment ovales. Donc il y a des strass à l'avant jusque là en bas. Et ensuite ça switch et ça passe à l'intérieur. Il y a un bracelet dans ce prochain drop qui est absolument sublime. Donc c'est un bracelet articulé, c'est à dire qu'il est souple. Le fermoir est identique à ce qu'on a fait dans le drop précédent, c'est à dire qu'il se clipse comme ça. Tac. Et ensuite il y a 2 petites ailettes sur les côtés que vous venez rabattre. Il y a comme des petits coussins, des strass qui viennent apporter une petite touche scintillante également. Mais il est matelassé, il est un peu dodu. Il donne vraiment une vibe vintage. Ça fait presque effet montre, vous voyez ce que je veux dire? Vu qu'il est assez large, de loin comme ça, je l'adore. Last but not least, les piercings. Je vous ai entendu, j'ai enfin fait des piercings pour le conche. Parce qu'à chaque fois on fait des keufs. Mais les keufs, c'est très bien pour les gens qui n'ont pas trop. Nous, on a galéré, on a eu mal, on a cicatrisé, on a eu une douleur terrible pour faire nos piercings. Et du coup, on a envie d'avoir des vrais piercings. Donc, je vous comprends. Donc, nouveau piercing pour le conche. Je vous le montre juste là. En fait, il y a un rang de strass et un rang au-dessus de billes. C'est un anneau disponible en 12 mm. Je l'ai également fait en 8 mm pour que vous puissiez le porter à l'hélix. Petit 6 mm pour qu'on puisse le mettre à l'anti-hélix, au tragus. Et dernier petit piercing pour la fin. Donc, il s'agit d'une fleur à ce niveau-là avec un strass scintillant juste en dessous. Bon, là, je l'ai mis au second lobe parce que j'ai pas ma pince pour enlever mon tragus. Il est ultra brillant.